Fondation Zanmi Timoun qui s'organise cap défendre à promouvoir droit Timoun sur tout le territoire national là. Depuis l'année 2014, a mené une chaîne de travail dans Saint-Micol qui se centre pour éduquer mineurs qui en conflit avec la loi. Pour les Fondation Zanmi Timoun, li bay mineurs si là haut, y ont assistance psychosociale, li bay autour, y ont assistance juridique et aider Timoun qui jeune libération yo, y ont possibilité ou bien moyen pour réinsérer Timoun Sila. Depuis le mois de février 2023, nous commençons à faire le même travail Sila. C'est dans ce souci ça, nous avons jugé important pour présenter nous un document sur tout le travail que nous faisons pour pendant la période Sila dans le centre Saint-Micol. Donc, dans le document ça, la Fondation Zanmi Timoun fait un appel pour montrer à clair la dimension du problème que le pays a lui-même confronté dans ce qui a rapport avec le système de justice noir. Côté mineur en conflit avec la loi, ils ont même tout, ils ont pas épargné. N'a profité tout pendant la présentation ça pour voyon coquin pour chapeau bay policier qui affecté dans centre Saint-Micol là côté policier ça eux même il a fait un travail il a protégé ti moun yo et malgré toutes difficultés eux même qui ont gagné ils ont fait travail là faut nous dit Saint-Micol en termes infrastructure a fait face à un ensemble de difficultés côté que ti garçon yo actif yo plus mesdames yo logé dans même espace là. Et le problème ça lui-même, il commence depuis après difficulté prison civile mesdames et joint depuis fin novembre 2023. Donc espace là vinn gon si population carcérale et ti moun yo vinn en difficulté, si tout petit monsieur qui était dans espace là autrefois pour joindre loisir, ça qui à l'encontre cadre légal qui établi. Pour question santé, ti moun yo mineur qui dans Saint-Micol a confronté à tout un ensemble de difficultés dans quatre visites. Plusieurs activités que Fondation Zanmi Timoun lui-même était mené en dans Saint-Micol, l'été ou Timoun Sao te fait constat côté Timoun Sao, il y a un pile dans yo qui gagne infection sous peau, il y a un bouton, il y a des taches et dispensaire qui dans espace là pas répondre avec tout problème ça. Et pas de diagnostic qui fait pour connaître réellement qui problème Timoun Sao gagne qui fait plaider gagne bouton sous peau. Et il y a une absence d'activité récréative, j'aime souligner ça. Bon, jodi a c'est dans souci ça nous te voulons présenter par la presse document ça lui-même qui fait dans souci pour parler à toute situation que Timoun a confronté en dans centre là. Dans document ça on pense n'a proposé par la presse la pour public là tout puis il y a joindre document ça il y a pas joindre sur site Fondation Zanmi Timoun là et sur l'autre plateforme tout on pense Fondation Zanmi Timoun lui-même l'a publié document ça. Et dans le document ci là, face avec tout constat que nous fait en termes d'infrastructure, santé de Timoun, loisir, avec tout ensemble, tout ça qui a rapport avec prévention préventive prolongée qui pas jamais suspendre camper et Timoun pas jamais suspendre venir dans espace là pendant gain qui pas jamais sortir, pas pour jamais passer devant juge, tout un chiffre que nous et alerte que nous énoncer dans le document ça. Donc là pour y face avec toute difficulté ça, Fondation Zanmi Timoun fait un ensemble recommandation à l'État. Côté que Fondation Zanmi Timoun li mandé pour l'État li même améliorer processus justice pour mineurs pour qu'a gagne une meilleure prise en charge face avec Timoun yo. Elle mandé tout pour mettre un ensemble de dispositifs pour insérer mineurs ça parce que les Timoun yo sorti dans cette école, les sorti Timoun yo a mandé une réinsertion pour qu'a réinsérer ni au niveau famille ni au niveau l'école qui était et environnement social yo tout. Fondation Zanmi Timoun mandé comme recommandation pour l'État mettre un médecin ou bien yon ensemble un groupe médecin en dans centre en permanence pour gérer question santé de Timoun yo. C'est tout ça yo, nous mandé l'état lui-même pour mettre en perspective pour nous recommander à l'état et nous penser l'état prend ça en charge. Nous travaillons avec Timoun dans communauté en tout dans bayo assistance psychosociale à travers espace ami enfant qui c'est EAU. Mais plus encore, nous présents sur frontière Eliaspine de l'ADA dans cadre d'appartement Timoun qui pas accompagné yo enfant non accompagné. Et depuis plus passé de l'année, question déportation yo vin plus intensifiée sous frontière Eliaspine Beladea qui c'est une nan point officiel nan pays a entre République Dominicaine et Haïti. Dans cadre déportation ça yo droit timoun par exemple suspend violé et parce que yo fait nan mauvais conditions, nan conditions qui très déplorables. Si nous considérons l'accord qui était signé entre deux États, à savoir République Dominicaine et Haïti, sous l'administration Préval avec Fernandez, sous question de rapatriement dans l'année 1999, protocole d'accord qui est protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement. Il y a un accord République Dominicaine va suspendre violé. Côté que si nous considérons quelques articles,
d'un coup point BA qui est relatif avec non séparation et famille qui pas respecté du tout parce que et timonio séparé ensemble avec famille et au déporté dans pays à sans parents yo. C'est ça que nous déplorons. Nous gain tout point DA et qui baille rapatrier au droit pour récupérer le salaire sinon bien que vous gagnez dans la République dominicaine. Côté c'est pas ça qui fait du tout parce que agent immigration dominicaine yo et yo pas d'accord, yo pas quitté ensemble avec migrant yo pour capable de récupérer et ça que yo gagné particulièrement si moun sa yo et que toujours dans soit la caillou soit pour le travail ou bien pendant que y a fait commerce yo. Pour nous citer ensemble point ça seulement, nous trouver que avant déportation yo timoun yo kon passé plusieurs jours en détention et ceci dans conditions qui vraiment critiques côté que pas gain possibilité tout pour parler ensemble avec proche yo pour dire mais qui bon que yo yé en plus fois rapatriement ça au fait sous base discriminatoire côté depuis seulement gain un petit pour noir et puis agent dominicain yo seulement bon et puis yo déporté en Haïti côté dans vivre situation gain si moun depuis le mois de juillet qui dans centre transit que nous gagnons à Belader parce que il pas haïtienne et alors scientifique il pas haïtienne et depuis là on a cherché pas on pas capable de venir qui pas parler créole du tout donc on capable comprendre dans quelle situation que nous trouvons nous dans cas ça pendant année depuis mois de janvier jusqu'à deuxième semaine mois de novembre dans centre transit que nous gagnons à Belader que fondation Zami Timoun gagne à Belader nous recevoir 472 Timoun qui gagne là-dedans 398 petits garçons et puis 74 petits filles donc nous recevoir sous frontière nous mener dans centre là et puis nous ba assistance psychosociale nous permettre que yo capable vivre bien manger la trier et puis tout nous faire alors réunification familiale et pour Timoun dans quel que soit endroit que pas retrouver dans pays là. Haïti continue à vivre dans tristesse amère à cause plusieurs groupes armés qui occupent le pays là soit 80% dans Port-au-Prince là en plus des crises politiques et socio-économiques qui faiblissent institutions démocratiques. Visiblement l'état haïtien est impuissant face à la situation ci là. Depuis mois novembre 2022 population Kafoufè qui gagne environ 25 quartiers là-dedans trouvent dans un lit sans fin à cause de groupes armés qui en conflit pour territoire. À cause ensemble attaque ça yo, selon protection civile, yo rivé dénombré presque 30 000 déplacés qui a installé dans plusieurs sites dans souci pour capable échapper à toute violence. Après 34 l'année existence convention relative à droit timoun, Fondation Zami Timoun constater que violation timoun droit timoun yo continue à perdurer. À travers un staff, nous rivé faire ensemble observation côté nous rivé joindre ensemble site yo soit 21 sites officiels. Zami timoun rivé identifier plus que 1000 timoun qui n'a nécessité accompagnement. Nous gagnons par exemple Colbert Locher qui héberge plus que 200 timoun et puis Fritz Pierre lui qui gagne environ 400 timoun pour bibiti. Moun sa yo a viv dans des situations infrahumaines, côté l'autre moun a marginalisé yo, aide yo a recevoir yo pas arriver répondre à des besoins réels. Yo pas gagne accès à l'eau, yo pas gagne des manger de qualité, yo pas gagne matelas, couverti pour yo dormir, surtout avec saison pluvieuse là qui commençait l'ouvrir. Bon côté timoun yo nous relater plusieurs cas d'allergie et puis gratel, quant à mesdames yo y a fait face avec diverses infections génitales. Tout ça yo, toute situation catastrophique ça a mené à des troubles psychologiques qui causaient par manque moyen pour aussi vivre, exposition à conflit, violence, pauvreté et puis persécution à divers traumas qui capable mener moun yo à prendre des décisions que nous qui capable contrer avec vie. Femme yo tout yo a victime abus et exploitation sexuelle voire même cas de viol non déclaré. Dans ce sens yo moun yo gen yon besoin assistance psychologique très urgent. Donc Fondation Zami Timoun pour li soulager pèl moun yo organiser plusieurs activités sociales ak yo depuis premier attaque yo. Parallèlement, nous té rivé faire plusieurs distributions pour accompagner moun yo. Pendant nous pas camper sur ensemble de doyen nous a fait à travers notre presse dossier pour la presse et puis
ensemble de conférences. Nous, dans ce sens, nous formulons ensemble de recommandations. Face à risque hydrométéorologique, nous avons demandé pour tout organisme compétent, notamment protection civile, pour prendre des mesures adéquates pour aider les gens confrontés à des problèmes qui sont liés à ça. Face à la détresse psychologique, nous avons demandé tout acteur pour mobiliser, pour accompagner les gens psychologiquement, si tout le monde qui est très vulnérable.